Ces deux-là ne lâchent pas leur maître d'une semelle, car Milly Cacao et sa progéniture, Muffin Crackable, sont des membres à part entière de la couronne de Norvège. Ils sont même présents lors de la fête nationale. On vous dit tout sur les Labradoodles des héritiers norvégiens avec notre spécialiste. Le Labradoodle est une nouvelle race qui a été créée à partir du caniche dont il a hérité des poils frisés et du Labrador dont il a hérité notamment de la couleur chocolat ou sable et surtout de son amour pour l'eau. Lorsque Milly Cacao a eu ses 9 petits, l'événement a pris des allures de naissance royale avec des séances photo officielles. Et on le voit, dès leur plus jeune âge, ces chiots sont habitués à être gâtés. Ça semble être effectivement des chiens rois puisqu'ils ont accès au canapé, ce qui n'est évidemment pas nécessaire pour un chien. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où on laisse l'accès au canapé, il faut que ce soit constant. Donc il faut accepter qu'ils y aillent aussi avec les pattes sales. Alors, ce chien royal, à qui convient-il ? Le Labradoodle tient du Labrador pour son caractère enjoué, gai, vigoureux, et du caniche pour ses caractéristiques intelligentes et relativement sérieuses. Donc ça en fait un chien très équilibré et assez chouette. Ses 9 petits, l'événement a pris des allures de naissance royale avec des séances photo officielles. Et on le voit, dès leur plus jeune âge, ces chiots sont habitués à être gâtés. Ça semble être effectivement des chiens rois puisqu'ils ont accès au canapé. Ils sont des membres à part entière de la couronne de Norvège. Ils sont même présents lors de la fête nationale. On vous dit tout sur les Labradoodles des héritiers norvégiens avec notre spécialiste. Le Labradoodle est une nouvelle race, ce qui n'est évidemment pas nécessaire pour un chien. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où on laisse l'accès au canapé, il faut que ce soit constant. Donc il faut accepter qu'ils y aillent aussi avec les pattes sales. Alors, ce chien royal, à qui convient-il ? Ces deux-là ne lâchent pas leur maître d'une semelle, car Milly Cacao et sa progéniture, Muffin Crackable, race qui a été créée à partir du caniche dont il a hérité des poils frisés et du Labrador dont il a hérité notamment de la couleur chocolat ou sable et surtout de son amour pour l'eau. Lorsque Milly Cacao a eu